Bienvenue dans notre Eco Challenge. Bartel et moi-même, nous allons nous affronter aujourd'hui pour vous préparer de la meilleure manière qui soit une recette écologique en un temps record. Vandaag maken we kabeljauwburger met avocado, hummus en tomates. Bon, ce qui est sûr, c'est que déjà nous avons besoin de certaines choses dans notre recette, par exemple des tomates fraîches. Voilà, vanaf april begint het tomatenseizoen, dus hebben ze een lagere impact op het milieu dan buiten het seizoen. Tu penses quoi, tiens? Un pain pistolet blanc. Eco score B, dat valt dan ook weer mee. Patats. En dan nog een kropje ijsbergsla, ook volop in het seizoen, perfect dus. Oui, c'est très pratique, hein. Tu peux même réfléchir à ton lunch de demain s'il t'en reste. Voilà, en dan nog een rode ajuin, hummus, eco score A, helemaal goed. Et bien sûr, le bouquet final, le burger de cabillaud. Iets minder goede leerling, want eco score D. Oui, tout à fait Bartel. Hein. Même si ce poisson a un label MSC, c'est-à-dire qu'il veille au respect de la population de poissons et de l'environnement, sa pêche malheureusement a des impacts non négligeables. Après bon, une fois de temps en temps, ça fait de mal à personne. Mais ce qui est sûr, c'est que jamais le poisson n'affichera un bon éco-score. Un beetje zoals uw kookkunst, nooit de beste score. Il fait le mal, hein, lui, c'est incroyable. Oui, oui Bartel, on sait déjà qui va être le vainqueur. Hein. Allez. Toi. Aïe, aïe. Tiens, tomate, attrape, hop. Hop. Regarde comme c'est beau ça. T'es genre, oh merci, en plus voilà. tu agrémentes mon V. Top chrono. Het is een beetje een bord chaotische kunst geworden, denk ik, bij mij. Allez, tiens, je te vas-y. Voilà. Vas-y, wissel. Super. Ja, maar je bent sowieso al gewonnen. Oh, merci, c'est gentil. Bah oui, la beauté et la qualité, voilà. S'il vous plaît. Je suis sûr que ça va être bon. Allez. Het voordeel van verliezen is dat je de beste mocht proeven. Tu as raison. Juste un truc. Petite anecdote. Il est bon. Ah, voilà. Il est bon. Stap voor stap. Colruyt Groep.